Bonjour, je m'appelle Marie, je suis responsable de la facilitation et de la formation en intelligence collective à la mission Innovation publique de la DITP. J'ai eu la chance de rejoindre la direction en novembre 2022, après un parcours en sciences politiques et plus spécialement en ingénierie de la concertation, et après quelques années de management de projet en intelligence collective en entreprise. Mon poste actuel, il couvre plusieurs missions. La première, c'est de concevoir et de faciliter des dispositifs de co-construction au service des administrations qui se tournent vers la DITP. Par exemple, récemment, je suis allée à l'université de Caen pour essaimer un peu la culture de l'usager, donc leur faire comprendre les enjeux un peu matriciels des administrations, et donc en créant, par exemple, une fresque des usagers à leur faire vivre sur une journée d'intelligence collective. Ça, c'est une première de mes missions, et une autre mission que j'ai, c'est de former les agents justement à cette facilitation, à cette intelligence collective, pour permettre de diffuser cette culture de la facilitation et de la participation dans toute l'administration. Je désirais depuis longtemps intégrer le service public pour travailler au service de l'intérêt général. Et ce qui est vraiment riche à la DITP, c'est qu'on s'applique à avoir une vraie écoute des usagers, des citoyens, dans la co-construction des solutions publiques. Et donc, de fait, on s'applique à avoir un service public qui est plus proche, plus simple et plus efficace. Donc, c'est vraiment enrichissant de travailler tous les jours en se disant qu'on améliore concrètement le quotidien des Français. Si, comme moi, vous êtes convaincus de l'intérêt d'intégrer le facteur humain dans toutes nos décisions, si chez vous résonnent les enjeux d'impératif participatif, d'expérimentation, ou encore si vous rêvez de travailler avec des experts en sciences comportementales ou avec des designers de services pour améliorer en continu nos services publics, n'hésitez plus et rejoignez la DITP.